Bonjour. Un peu de silence. La séance est ouverte. L'ordre du jour rappelle ce que je déteste le plus dans une séance publique, la discussion générale. Après avoir été examiné en commission, un texte législatif, un projet de loi ou une proposition de loi va être examiné en séance publique. La séance publique, c'est tout simplement l'examen dans l'hémicycle. À la différence de l'examen en commission, tous les députés peuvent y prendre part, s'exprimer et défendre leurs amendements. Mais il y a un ordre à respecter. En premier, on commence par une sorte de résumé du texte qu'on appelle la présentation du texte. Le gouvernement, si c'est un projet de loi, les rapporteurs, puis les groupes vont exprimer leur position sur le texte. Autant être honnête, c'est le moment le plus chiant, il n'y a pas d'autre mot, d'un texte. Pourquoi? Quand il s'agit d'un projet de loi, le gouvernement va dire « Oh, qu'il est beau et parfait mon texte !» Les rapporteurs du texte vont dire « Maintenant que les députés ont travaillé dessus, ce texte est encore plus beau et parfait !» Les députés de la majorité vont dire, grâce à notre travail, ce merveilleux texte va répondre à tous les problèmes. Quant à l'opposition, ils vont dire, ce texte est nul. Selon le niveau de décibel de l'opposition, on peut se réveiller de la sieste. Ou pas. En dehors du gouvernement, chaque groupe dispose d'un temps déterminé pour s'exprimer. Ce temps est déterminé en fonction du nombre de membres du groupe. Plus le groupe a de membres, plus longue va être l'intervention. À noter que les groupes d'opposition ont plus de temps de parole. Le groupe peut fractionner ce temps, surtout s'il s'agit d'un texte où les membres n'ont pas de position uniforme. Et plus il y a de groupes, plus la discussion paraît longue. Les discussions générales n'ont pas un grand intérêt et ont souvent lieu en même temps que des réunions de commission. Ce qui explique pourquoi l'hémicycle est souvent clairsemé pendant la discussion générale. Évidemment, ce phénomène est connu de tous les journalistes politiques sérieux. Il n'y a que les fumistes pour pleurnicher sur un hémicycle vide en discussion générale. Mais, comme si ce n'était pas suffisamment barbant, un élément va venir perturber la discussion générale, les motions de renvoi que vous découvrirez dans une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé celle-ci, petit commentaire et pouce en l'air. La séance est levée!